Oui, pour ce dernier temps de parole, on va parler de musique, on va parler de festival, on va parler, ça va faire du bien un petit peu de bonheur, de musique et de tendresse. Et oui, de la tendresse, il va y en avoir sur ce plateau avec Mathieu Brousse, qui aujourd'hui représente le service culturel de la mairie de Mamoudzou. Mathieu, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Et puis on a également Eric Longsworth. Eric, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes américain, Oui. vous vous soignez. Vous n'avez pas resté américain tout le temps. Bah, je suis un peu français Un peu aujourd'hui. français depuis 15 ans, c'est vrai. Pourquoi on va parler de musique? Parce que la MJC, ça y est, la nouvelle MJC de Mamoudzou, elle est ouverte, elle est belle, et ça fait plaisir, ça fait du bien. Et on va pouvoir commencer à l'inaugurer avec de jolis concerts. Alors, ce sera pas le premier concert, mais il va y avoir un beau concert le 30 mars, donc dans cette MJC, où on va retrouver Dio et Trio d'Accord. Dio, on le connaît, c'est lui qui va faire cette première partie de concert. Et Trio d'Accord, c'est quoi alors? Ouais, effectivement, donc du coup demain un concert de Dio et Trio d'Accord. Donc Trio d'Accord, c'est un groupe, bon Eric nous en parlera mieux que Oui. moi, qui a été quasiment constitué là pour c'est presque une nouveauté quoi. Il y a eu une étincelle entre ces artistes Ouais. et grâce à Adèle, la personne qui programme un petit peu les animations musicales sur la MJC, Adèle de Milatica Emergence, il a détecté ses talents, il leur a proposé de venir à Mayotte et donc du coup on va pouvoir en profiter demain soir à partir de 20h30. On va parler de musique évidemment avec Eric, hein, mais ça fait du bien d'avoir enfin un outil, je parle notamment de la MJC de Mgombani, un outil adapté à la musique. Oui, tout à fait. En fait, la politique communale en matière de culture a été totalement revue. Alors, actuellement, la mairie de Mamoudzou, la commune de Mamoudzou possède 6 MJC qui sont un petit peu répartis sur tout le territoire. Et l'idée, c'est d'essayer de donner une thématique à chaque MJC, quasiment de chaque village. En l'occurrence, la MJC de Mamoudzou, la thématique, ça sera la musique au vu de la configuration de la salle. Bientôt, on va ouvrir la MJC de Kawini qui sera orientée vers le spectacle vivant, vers le théâtre. Et par la suite, on aura aussi la MJC de Tsunzou qui va venir se rajouter à celle de Vaibé, d'Emsa Péré, de la médiathèque de Une vraie Passamaquoddy. dynamique, hein, est en train de se mettre en place. Ouais, Hein. une vraie Ouais. dynamique et puis une offre diversifiée en tenant compte de la spécificité de la commune qui est très étalée. Donc, du coup, tout le monde pourra profiter et essayer d'apporter la culture dans tous les foyers de la commune et au-delà de la commune. Une vraie programmation avec le petit bouquin, le petit catalogue qu'on peut trouver gratuit hein, Tout à fait. partout sur Mamoudzou. Une vraie programmation en mars. Bon, on va en parler dans quelques instants avec Trio d'Accord et Dio, évidemment. En avril, ce sera un festival de jazz. Ouais, le festival du jazz qui se fait qui s'est initialement au niveau du village de Mgombani, Ouais. qui sera un petit peu mis en avant au travers de la MJC. Et voilà, après tous les 2 mois, on essaye de faire une petite Par exemple, en programmation. juin, c'est Cadavreski. Ouais, Cadavreski, un groupe de jeunes qui font du rap, là, qui est très très intéressant et qui apporte. On essaye de varier Dell, qui est vraiment un spécialiste dans ce domaine-là, essaye d'alterner entre les différents styles pour faire découvrir des nouveaux sons, des nouvelles musiques. Et puis chaque concert est accompagné de ce qu'on appelle des masterclass, comme ce qui s'est réalisé hier et avant-hier au niveau de la Ouais. MJC. Donc Ouais. c'est des moments d'échange avec les artistes qui se prêtent au jeu et à destination des jeunes, des moins jeunes. Toutes les personnes intéressées par la musique peuvent venir prendre des conseils et des démonstrations d'artistes professionnels. Eric Longsword est avec nous sur ce plateau. Welcome in my countries, my friend. Thank Voilà, moi aussi, je sais parler you anglais. Un concert qui va avoir lieu donc demain soir, hein, vendredi. Ce sera à la MJC de Mgombani avec 3 autres personnes. On attend encore la troisième. Elle devrait arriver aujourd'hui. Elle doit franchir le barrage du four à much. chaud, mais elle va y arriver, cette personne. Qu'est-ce qui fait que, tout à l'heure, Mathieu parlait d'une étincelle. C'est quoi cette étincelle? Bah, c'est surtout l'envie de mélanger des musiques différentes cultures. Ouais. Et ça, c'est une envie qui m'habite depuis très longtemps. J'avais un groupe avant qui s'appelait le World Kora Trio Ouais. avec un Malien. Ouais. Et là, ce nouveau projet, c'est beaucoup d'elle et par son invitation de jouer à Mayotte qui m'a mis à réfléchir sur, bon, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que je peux faire et avec qui. Alors là, pour ce nouveau projet, qui vraiment c'est la première fois qu'on va jouer en public
ensemble, ça va demain soir. Mmh. Mais vous n'avez pas eu le temps de répéter ensemble, vous n'avez pas eu le temps si, on a travaillé, on a beaucoup travaillé. Ouais. Mais là, devant public, ça, c'est le premier mondial demain soir. Ça va ressembler à quoi ce concert? On est quoi? Dans quel style? C'est une bonne question, ça. Je suis payé très très cher pour ça, Eric. Mais très très cher pour poser les bonnes questions. Ça va être un mélange parce que moi, je viens des États-Unis. Ouais. Je joue un instrument, le violoncelle, qui est d'origine classique, on peut dire, occidentale. Mais depuis toujours, je m'intéresse à des musiques populaires des États-Unis, le blues, le folk, le jazz. Il y a Dramane Dembélé, lui vient du Burkina Faso, il joue le flûte traditionnel, le peul de là-bas, il joue le ngoni, il joue le tama, le talking drum. Alors lui, il a tout un bagage de musique traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. On le voit à l'antenne là. Hein. D'accord, mais avec aussi beaucoup d'envie, il fait plein de musique électro, des trucs, des musiques jeunes on peut dire aussi. Et le troisième membre, qu'on espère va traverser le barrage ce matin, il joue le oud. Donc, il est français de Strasbourg, mais son instrument de prédilection, c'est un instrument de Maghreb. Et donc, tous ces musiciens, vous trois, donc, vous allez jouer ensemble, chacun avec sa spécificité. Et donc, on arrive à avoir quoi comme type de son? Est-ce qu'on peut le rattacher, le raccrocher à une catégorie ou pas? Mais on peut dire la musique du monde, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu large comme catégorie. Là, je peux dire que ça va être assez dansant comme musique, même s'il n'y a pas beaucoup de percussions, mais c'est très rythmé. Et en même temps, on aime ça laisser assez de place pour des improvisations, pour chacun, pour... peut prendre sa place. Et... Ouais. Eric, qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez reçu ce coup de fil? Vous avez dit, Eric, viens à Mayotte faire un concert avec deux mecs que tu connais pas. C'est un peu fou. Ouais. C'est ça. C'est comme... Vous êtes dit, pourquoi pas? Bah, d'abord, c'est où Mayotte? Ouais, c'est ça. Ouais. Eh bien, Ouais. Et pourquoi pas, effectivement, c'est bien sûr. Ouais. Alors, il y a une première. C'est pas une première partie, c'est un premier concert de Dio. Dio, vous l'avez rencontré? J'ai pas rencontré, il était pas loin de chez moi en France. Il y a quelques jours, la semaine passée. Mais je l'ai pas pu le voir parce que moi j'étais à Paris. Mais vous avez déjà entendu ses morceaux, sa musique? Non, pas non du plus. Tout. Je vais non découvrir plus. Demain soir. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, Mathieu, Eric, est-ce qu'on peut imaginer demain, après ces deux concerts, un espèce de bœuf à l'ancienne où on va retrouver Dio, Eric et puis toute l'équipe? À mon avis, tout est possible. Ouais. On est entre nous, on est Mgombani, ça va être bon enfant. Et voilà, je pense que les artistes sont venus pour se faire plaisir aussi, pour découvrir Mayotte, même si en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais bon, en tout cas, ils vont découvrir le public et moi, j'ai aucune crainte par rapport à ça et je pense qu'ils vont se faire plaisir. On attend beaucoup de monde demain soir? J'espère. Ouais. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. On peut accueillir combien de personnes? On peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Oui, quand même. Donc du coup, ça fait du monde. Et puis bon, c'est un concert gratuit. Oui, c'est important, c'est gratuit. Comme tous les concerts de la MJC sont gratuits, donc c'est ouvert à tout le monde. Et il faut vraiment venir découvrir, c'est des styles de musique qu'on n'entend pas tous les jours. Et du coup, c'est à écouter, quoi. C'est à voir et c'est à écouter. Et puis ça fera du bien, un peu de musique. Vendredi soir, à la MJC de Mgombani, c'est gratos. 300 personnes peuvent être accueillies dans cette MJC. On va écouter Eric, on va écouter les deux autres. Si il arrive. Évidemment, Dio, on le connaît ici. C'est une star à Mayotte, Dio. On aime ce qu'il fait. Il y aura de la musique traditionnelle avec ce que fait Dio tout le temps. Tout le temps. Il y aura de la musique traditionnelle. Il y aura des interprétations. Il y aura des improvisations. Et non, je pense que ça va être bien varié. Ça va être bien sympa. Ben, on va y être. On va tous y être, effectivement, pour écouter et profiter. Et pourquoi pas danser, parce que Eric il a dit ça va être dansant. Donc, on va peut-être pousser un peu les chaises et on va danser, Eric. Allez. Hein? On sera là. On accorderait un slow. On verra. Merci beaucoup, Eric. Merci, Mathieu. Merci, c'est Il y a beaucoup de messages qui arrivent. Je pense que vous allez avoir du monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de souffler. Et le fait que ce soit gratuit va donner envie aux gens de...
sortir un petit peu, sortir de ce marasme et de ce qu'on vit actuellement. Merci beaucoup Eric d'être venu sur ce plateau. Merci Mathieu pour le boulot que vous faites actuellement sur Mamoudzou. Mon petit doigt me dit qu'on aura l'occasion d'en reparler. Pas de souci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.